sommes responsables les uns des autres. Et le deuxième fléau qui s'abat sur nous plus durement que jamais, plus durement qu'à aucune des autres générations qui nous ont précédés, c'est l'exploitation capitaliste. C'est le fait d'opposer les individus entre eux dans la compétition pour le travail, c'est-à-dire pour avoir un revenu, pour pouvoir vivre dignement et s'occuper de sa famille, comme c'est l'espérance de chacun d'entre nous, qui ne demande pas à gagner des milliards et des milliards, ni même des millions et des millions, mais juste de pouvoir vivre dignement avec sa famille, en s'occupant des siens, en faisant en sorte que ceux qui sont malades soient soignés, que les enfants soient éduqués, et qu'autour de nous, il y ait du respect et de la considération pour tout le monde, et pas seulement pour ceux qui sont cousus de fric, quand bien même ils seraient bêtes comme leurs pieds. Ce qui est le cas aujourd'hui, où toute la considération va à ceux qui ont beaucoup et aucune à ceux qui ont un grand cœur. Tout va au gros portefeuille et pas au grand cœur. Eh bien, cette forme-là d'organisation de la société, elle nous condamne à être en lutte les uns contre les autres sans cesse. Eh bien, c'est ça qui s'aggrave. Dans toute l'Europe, ils ont inventé un modèle économique qui jette les gens les uns contre les autres. Ça s'appelle tantôt « travailleurs détachés ». Ça s'appelle tantôt « dumping social », qui est un mot compliqué pour dire que dans certains pays, les cotisations sociales coûtent moins cher et les salariés sont payés moins cher. Et c'est la raison pour laquelle on délocalise les entreprises en retirant le pain de la bouche de ceux qui travaillent à un endroit pour surexploiter les autres à l'autre endroit. Car les autres aussi sont malheureux, les autres aussi sont maltraités. Il n'y a pas d'autre solution que l'égalité. L'égalité par la loi qui crée la même règle pour tout le monde, où qu'on habite en Europe, quel que soit le métier qu'on est en train de faire. La loi, l'égalité, voilà comment on fait fonctionner une société bien organisée, dans laquelle on ne sème pas partout le venin de la discorde et de la lutte de chacun contre les autres, et en particulier la lutte des simples, des gens du commun, parce que c'est eux qu'on cherche à opposer entre eux, sans arrêt en répandant la trouille, la peur de l'autre, celui qui n'a pas la même religion que vous, celui qui n'a pas la même couleur de cheveux. Mais non, ce n'est pas l'immigré, mais non, ce n'est pas l'enfant de l'immigré le problème, ni son petit enfant. Le problème, c'est le banquier, c'est lui qui est coupable de l'exploitation, c'est lui qui jette les gens les uns contre les autres. Et le banquier, il sait bien où il en est avec moi. Je suis bien content de lui foutre la trouille. Je leur fais tellement peur, moi qui suis rien du tout, qui n'ai rien d'autre que ma langue pour parler et ma cervelle pour réfléchir. On leur fait tellement peur, surtout maintenant qu'on est à 20%, qui sont obligés pendant 15 jours de nous insulter matin, midi et soir, et que je te mets un coup de Russie, et que je te mets un coup d'Alba, et je ne sais pas quoi, parce qu'ils préfèrent parler de l'Alba que de parler de Gaza, tous ces gens-là. C'est tout à fait clair. 15 jours ininterrompus de calomnies, d'insultes, pour refroidir les braves gens qui se disaient « Mais moi, je l'aime bien, ce type, il a l'air d'un professeur, et d'ailleurs, il parle comme un professeur, je l'aime bien, je le respecte, peut-être que je vais voter pour lui. Je n'ai pas voté pour lui dans le passé, mais cette fois-ci, je vais le faire. » Alors, il entend dire que je suis l'ami de tous les tyrans, et que je suis une brute, et que je mange des enfants, et que je suis absolument content quand il y a des bombardements, ça me soulève de plaisir. Eh bien, ces gens-là, ils ont hésité. Et vous comprenez, nous autres, quelle est notre tâche? Notre tâche, ce n'est pas de haïr ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Ce n'est pas de montrer du doigt à ceux qui, peut-être, auraient mieux fait de faire autre chose que ce qu'ils ont fait et qui auraient dû voter avec nous pour qu'on gagne. Notre tâche est d'aller chercher les 6 ou 7 millions de personnes qui, cette fois-là encore, ne sont pas allées voter, qui n'ont pas utilisé la bombe atomique qu'ils ont dans la main qui s'appelle bulletin de vote. Parce que les puissants n'ont qu'une idée, c'est que vous n'alliez pas voter pour qu'ils continuent à régler leurs problèmes entre eux, pour que tout continue à leur appartenir. Et que si par hasard vous votez, ils vous truquent la partie pendant des mois, ils vous ont répété « Madame Le Pen va être en tête, et Madame Le Pen ceci, et Madame Le Pen cela, il pleut, achetez un parapluie et Madame Le Pen, il neige, achetez des chaussettes et Madame Le Pen, etc., etc. » Pendant un an, ça a duré, cette comédie. Et à la fin, c'est nous, avec 600 000 voix près, on l'a foutu dehors du deuxième tour. Nous, personne d'autre, nous. Nous, parce qu'on a arrêté de faire de la morale aux gens et qu'on leur a dit « arrêtez de vous détester, la vie vaut la peine d'être vécue, on a un beau projet, il s'appelle l'avenir en commun. Toi, je ne sais pas ce que tu votais avant,
Toi, je ne sais pas qui tu détestais hier. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi pour fermer les centrales atomiques. J'ai besoin de toi pour produire des énergies renouvelables. J'ai besoin de toi parce qu'on a besoin d'instituteurs, on a besoin de paysans, on a besoin de toutes sortes de gens pour faire cette masse de travail dont il y a besoin et dont vous privez tout le monde, alors que les gens sont capables de le faire et de faire de cette vie un vrai paradis pour les êtres humains, grâce à nos forces, à notre intelligence. What is it? What is it? What is it?